Ça va, mademoiselle? Oui, oui, je suis vraiment désolée, je regardais pas où j'allais. Je non, suis... mais c'est pas grave, y a pas de soucis. Oui, merci, c'est très gentil. Vous êtes Clara Rossignol? Oui, c'est moi. Vous savez que je suis vraiment fan de vous. Oh, merci, c'est très gentil. Et merci encore de m'avoir rattrapée. Est-ce que du coup ça vous dirait des places de concert pour vous et peut-être votre petite amie ou des amis? Non, vous êtes sérieuse? Bah bien évidemment. Tenez, c'est cadeau. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Ah mais non, mais c'est trop. Eh bien c'est super, j'ai hâte de te voir, toi et tous tes amis. À bientôt j'espère. Ça va faire plaisir à Marinette. Salut Lucas! Oh Elio, c'est moi ou tu t'es levé plus tôt que d'habitude? Oh, tu sais, il faut bien être matinal pour flairer le poisson. T'as pas idée du nombre de jolis petits culs qui se baladent par ici. J'en ai dessiné toute une collection si tu veux voir. Non, attends, tu changeras jamais toi. La poésie, c'est vraiment pas ton fort. Hein. Pourtant, tu gères bien quand t'écris nos chansons pour le groupe. Heureusement que t'écris pas comme tu parles. Et tu sais, surtout, je suis un homme aux multiples facettes. Ah ouais? Et ouais, et je te ferai dire que ma façon de parler plaît beaucoup. Surtout aux filles qui ne veulent pas de mecs qui tournent autour du pot. Enfin bref, tu sors d'où comme ça? J'ai dormi chez Adrien. Il m'a invité chez lui hier soir. Chez Adrien? Mais depuis quand vous êtes proches tous les deux comme ça? Adrien, ton père m'a enfin laissé rentrer. Ah oui, il est un peu plus tolérant en ce moment. Oui, en plus il est parti. Ça veut dire qu'on est plus que tous les deux, mon cher Adrien. Approche Lucas, depuis le temps que j'attends ce moment. Mais te fais pas de film, hein. Il veut juste m'aider à conclure avec Marinette. Oui, t'aider à conclure? Il n'arrive même pas à conclure avec qui que ce soit. Tu veux vraiment de l'aide d'un petit puissant? Quoi, tu préfères que je vienne pleurer dans tes bras? Elio, il faut que je vous parle. Marinette m'a rejetée et je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement besoin de votre aide. Oublie Marinette, Lucas. Laisse-la tomber et viens avec moi. Je saurai te combler. Elio Sama, vous êtes si beau, si parfait. Vous valez mieux que n'importe quelle Marinette ou Adrien. Pourquoi ne l'avais-je pas remarqué? On fait tous des erreurs. Elio Sama. Elio? Elio? Hein? T'es oui, toujours là? Non, oui, non, je veux pas d'un petit pleurnichard, j'ai d'autres chats à fouetter, ou plutôt d'autres culs. Non, mais toi, je te jure. Bon, faut que j'y aille, je suis à la bourre, désolée. Et pourquoi t'es si pressée? Chez Adrien, j'ai pas pu me doucher, donc faut que je rentre à la péniche, faut que j'aille prendre une douche, et ensuite faut que j'aille au taf. Ah oui, oui, ton taf, tu veux que je t'accompagne? De quoi? Mon taf? Bah non, à la douche. Ouais, tu vas venir me frotter le dos? Ah oui, pour enlever toute cette crasse. Mais ça va, je suis pas si sale que ça. Ouais, on dirait juste que t'as crapahuté toute la matinée, je ne sais où. Ouais, ou bref, faut vraiment que j'y aille. À plus tard. Je viens cet après-midi, salut. Oui. Bonjour. Heureusement que mes parents ils m'ont pas vu rentrer avec les dégâts que j'ai sur la tronche. Mais Yvan, tu t'es battu? C'était mieux dans mon rêve. Moi je pense surtout que si Mylène voit ça. Non, lui dis surtout pas. Elle a pas besoin de s'inquiéter et tout va bien. Mais Yvan, c'est pas la fiction, c'est la réalité. Il faut que tu portes plainte ou quelque chose comme ça. Mais non, ça va aller. Et toi Enat? J'ai pas de réponse, je sais pas ce qui se passe. Attendez, il vient m'envoyer un message. Au moins il marche, donc c'est que ça va pas trop mal. Ça va aller? Ouais. Bon, faut que j'y aille. Mon frère a une interview, il veut absolument que je sois dans le public. Je suis ravie. A plus tard! A plus tard! Du coup, tu voulais parler du défilé avec moi?
enfin, c'est pas moi qui l'organise, hein. J'ai pas trop mon mot à dire sur ça. Hein. Dis-lui juste que c'était juste une excuse pour avoir un rendez-vous avec toi. En fait, c'était juste une excuse pour avoir un rendez-vous. Quoi? Mais c'est pas vrai. Mais... Adrien, ça va? Oui, j'ai juste un chat dans la gorge, t'inquiète pas. D'accord, c'est pas grave, c'est juste, bah du coup j'ai pas trop compris ce que t'as dit en fait, désolée. Juste que, je peux pas trop organiser tout ça quoi, enfin c'est pas moi qui le fais. Quoi? Mais c'est pas ce que j'ai dit, je suis le plan. C'est pas grave, si je suis venue, c'est surtout pour t'avouer mes sentiments. Oui, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, moi, j'étais surtout venue pour t'avouer mes sentiments. Ah, quoi? Non. Mais vas-y, dis-lui. Mais, Marinette. Dis-lui, pas non. De soucis, je comprends. Viens, on va prendre une glace. Ok, ok. Ah. Pas de soucis, je comprends. Viens, on va manger une glace. Oui. Tu vois, tu peux toujours compter sur moi. C'est vrai, on a réussi. Mais du coup, si je me trompe pas, maintenant il reste plus que le selfie sur Instagram et... C'est qui part, hein? Oh là 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 là. C'est pas vrai. Que je vais pouvoir lui dire. Marinette, si tu es inquiète, pourquoi est-ce que tu n'appellerais pas Alia? Je sais pas, Tiki, peut-être que je la dérangerai plus qu'autre chose. Ou peut-être qu'elle a juste besoin d'un peu de soutien supplémentaire. Essaye, tu verras bien. Alia est ta meilleure amie. Tu ne vas pas la déranger. C'est vrai, t'as raison. Merci Tiki, je vais le faire. Salut Marinette, tu tombes bien. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce rendez-vous. Ah, t'as besoin de... Mais tu disais ce matin que ça vous ferait du bien peut-être d'éclaircir les choses. Tu penses que t'as besoin de plus de temps? Je sais pas. Je sais que t'as raison Marinette, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, je m'approche d'un choix qui me semble impossible. D'un côté ma passion et de l'autre mes sentiments pour Nino. Je comprends, mais ce serait pas juste que tu dois sacrifier l'un des deux. Vous pourriez pas arriver à un compromis en discutant, justement? Mais je n'ai pas l'impression qu'il comprenne quand je lui en parle. Il y a comme une latence entre nous. Mais je veux lui faire comprendre plutôt que de lui dire. Je sais ce que je vais faire. Merci Marinette, on se rappelle plus tard. Je te carré avec toi. Tu me rappelles quand tu peux? Bisous. Besoin de s'évader, d'émerveiller vos papilles avec un jus délectable,
Une envie d'aventure dans un simple verre? Elle n'attendait plus. Avec la boisson Coco Dream, profitez des vertus de la noix de coco, de ce goût sucré qui vous transportera dans un monde exotique. Coco Dream vous rappellera la chaleur torride des vacances sous les tropiques, le soleil au zénith, l'eau qui scintille et coule sur la peau fraîche. Coco Dream, c'est LA boisson à déguster cette année et à partager en famille ou entre amis. Coco Dream, la boisson coco à ne pas manquer. Sponsorisé par la Maison Agreste. Je me suis permise d'entrer. Ah, c'est pas grave, je prends une douche. J'ai noté les sujets de conversation pour... Je suis pas sûre que ça y connaisse. Jouer du piano, ça t'intéresse? Je suis douée dans un tas de domaines, mais jouer du piano, je ne sais pas le faire. Tu veux que je t'apprenne? Qu'est-ce qui se passe? Candy, elle est partie. Quoi? Mais pourquoi? Des obligations familiales, elle part pour l'étranger. Je vois, ça fait beaucoup à encaisser. Tu veux annuler le rendez-vous? Non, non, j'ai l'habitude, tu sais, étant jeune, me retrouver seule, des amis qui partent. Courage, Kagami. Je serai toujours là et je te trahirai pas. Oui. Adrien. Ah. La voiture est en bas. Elle vous attend. Pardon, Gabriel San. On va y aller. Maître, je comprends ce que vous voulez faire, mais même si les pouvoirs du papillon sont immenses, il y a une limite tout de même. Je connais parfaitement mes pouvoirs, Noro. Mais il n'est pas possible d'akumatiser deux personnes en même temps. Vous perdrez forcément le contrôle sur l'un des deux à un moment donné. Cesse de me mettre en garde. En plus, avec ce bazar dans tout Paris, Ladybug et Chat Noir ne sauront plus où donner de leur tête. Je pourrai enfin avoir leur Miraculous. Cette histoire a beaucoup trop duré. Il est temps d'en finir. Je vais te faire cette histoire. Mais, maître... Ça suffit. Disparais. Nous allons le monde à voir. Vivement le restaurant tout à l'heure, je suis toute excitée. Ah, moi aussi. Mais évitons de le dire avant que mon père l'entende. Oui. J'espère que le défilé ne prendra pas trop de temps. Non, ça devrait aller vite. J'espère juste qu'on pourra s'enfuir et y être à temps. Mm-mm. Ah, mais tu rencontreras Lucas? Il me semble que tu l'as jamais vu. Lucas? Non, mais c'est vrai que rencontrer quelqu'un de nouveau, ça fait jamais de mal. Oh, ma mère. Kagami. Oui, mère. Tout se passe bien pour toi avec la famille Agreste? Oui, bien sûr. Parfait. Gabriel San m'a parlé de toi. Tu lui as fait très bonne impression. Je dois uniquement à votre éducation, mère. C'est vrai. Rappelle-toi de bien te tenir. C'est un jour très particulier pour notre famille. Je ne manquerai pas, mère. Je compte sur toi.
Putain, j'ai cru que j'allais être à la bourre. Excusez-moi, vous êtes Sacha Maille ? Ah oui, Adrien, c'est ça, le fils de Monsieur Agrest ? Oui, c'est ça. Nathalie et mon père m'ont dit que vous étiez censé venir ici. Ouais. D'ailleurs, je suis un peu à la bourre. Mais t'es tout seul ? T'es pas censé être, je sais pas moi, surprotégé ou un truc du genre ? Non, mais il y a mon garde du corps là-bas. Ah ouais ? Et du coup, elle est pas là, la secrétaire de la dernière fois, là ? Nathalie, déjà sur place, en train de préparer le défilé. Vous êtes ? Sacha Maille, monsieur, je suis votre nouvelle apprentie. Bouton, mes appiques, j'aurais besoin de vous pour garder un œil sur Adrien. Quoi ? Mais père ? Mais, il n'y a pas de mais. La situation est assez compliquée comme ça. Excusez-moi, monsieur, j'ai du mal comprendre, mais je suis venue ici pour apprendre, pas pour jouer les babysitters. Écoutez-moi, mademoiselle Maille, je vous ai effectivement pris en apprentissage car je vous trouve très talentueuse. Cependant, je suis votre patron. Si je vous dis d'effectuer une tâche, vous le faites. Si je vous dis de surveiller mon fils, vous le faites. Est-ce que c'est bien clair ? Très clair, monsieur. Nous ferons ensemble de découvrir vos autres talents plus tard. Allons-y. Wow, je savais qu'il avait mauvaise réputation, mais là, c'est officiel, il a vraiment un caractère de merde. Il est comme ça avec tout le monde. Eh ben, génial ! Bon, écoute, quitte à te faire regarder par n'importe qui, autant qu'on s'entende bien, non ? Bon, y'a pas de raison qu'on s'entende pas ? Ouais. Allez, viens. Ah, ça va ? T'as terminé ? Oui, c'est juste ma mère qui demandait si tout allait bien. Bah, pourquoi ? Elle s'inquiétait ? Non, elle sait que je suis assez forte. Bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Entre nous deux, y'a pas photo. Attends, là, tu me cherches, Adrien ? Ah non, mais pas du tout. Pouf. Ah non, 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 arrête, Kagami, retire ce que tu as dit. Ok, je retire. Je préfère ça. je vais devoir y aller parce que mon père s'impatiente. Oui. Attends, je crois qu'il va y avoir un problème. Tu pourras pas monter avec nous. Quoi ? Pourquoi ? Eh ben, parce qu'il y a mon père, moi, la photographe et le chauffeur. Ah oui, donc c'est complet. Ouais. C'est pas grave, j'ai trouvé une autre voiture, on se verra tout à l'heure au défilé. À tout à l'heure, Adrien. Ah, au fait, père, excusez-moi, monsieur, mais je vois que la voiture est pleine. Comment je fais pour aller au défilé ? Mais débrouillez-vous, c'est pas mon problème. Mais quel connard ! Non, mais j'y crois pas ! Excusez-moi, mais vous n'êtes pas la conductrice de la voiture ? Moi, la conductrice ? Ah non, je crois pas, non, moi je suis apprentie styliste. Mais bon, au moins j'ai une bagnole pour y aller, alors on va pas s'y priver. Ah ! Bon, ok, ambiance de merde. Bon, excuse-moi d'avoir un peu haussé le ton tout à l'heure, c'est juste que se passe une très mauvaise première journée. Ce n'est pas grave. Il faut dire que Monsieur Agrest n'est pas quelqu'un de facile. Je te le fais pas dire. Putain, si c'était pas une opportunité en or de bosser pour lui, je lui aurais déjà rabattu son capet. Je peux comprendre. Il est aussi buté que ma mère. Ah. Vos familles se connaissent avec le petit ? Oui, plutôt. Adrien et moi, nous sommes fiancés. Ah. Quoi ? Fiancé à vos âges ? C'est un accord entre nos parents, c'est purement professionnel. Putain, mais à quelle époque ils vivent, vos vieux ? Ce n'est pas comme si ça me dérangeait. Je vois. C'est mignon. Bon, et puis à part le blondinet, là, y a pas autre chose qui t'intéresse dans la vie ? Mis à part les cours ou l'escrime. C'est tout ? Il faut dire que ma mère ne m'accorde pas beaucoup de temps libre, elle se concentre beaucoup sur les entraînements. C'est seulement aujourd'hui que j'ai réussi à avoir une sortie entre amis. Dur. Qu'est-ce qu'on y peut ? Bah, c'est con ce que je vais te dire, mais... Enfin, tu devrais te concentrer sur ce que toi tu veux, et ta mère, on verra plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Ah, ça doit être les fans d'Adrien. Il va jamais pouvoir rentrer là. Bon, allez. Hé, qu'est-ce que tu fais ? C'est bon, on va forcer le passage, je vais pas me faire emmerder par les petites merdeuses là. Il faut voir la simplicité. Il y a forcément une autre entrée quelque part. Ouais, bon, c'est pas la solution la plus marrante, mais bon. On va passer par la porte de derrière, j'en profiterai pour me changer comme ça. Allez, viens. Allez. Ah !
père, on le fait où le shooting de ce matin? Au canapé. D'ailleurs, on est bientôt arrivé. Ah, d'accord. Je vais te laisser ici du coup. Mais tu peux pas venir avec moi? Si, je peux, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Oui, oui, c'est ce que je veux. J'ai peur que sans toi, je replonge. Je reste là. Ça va aller. Ok. Mais à quoi tu penses? Cet arbre, il me rappelle beaucoup trop de souvenirs. Et? Et on s'est... Oui. On s'est embrassé près de cet arbre. Et ça m'évoque beaucoup trop de mauvais souvenirs. Ça me fait mal. Dire que maintenant elle est loin de tout ça. Ouais, je vais pas la revoir de si tôt. Mais tu sais quoi? On va faire plein d'autres nouveaux souvenirs adorables qui vont remplacer tout ça. Ok? Ouais. Oh. Merci Alice. Je t'en prie. C'est mon arbre maintenant. Marinette m'invite. Je pourrais déjà réduire mes plans d'avoir deux enfants et un hamster. Hey, alors, je vous avais dit que vous ne seriez pas déçus de mon apparition. Ne suis-je pas le meilleur aussi de tout Miracle Dream? Et encore, ce n'est que le début. Encore merci d'avoir regardé l'épisode. Je vous fais des bisous, et on n'oublie pas, mange ta glace et note tes culs qui passent. Restez connectés. Bonjour, merci d'avoir regardé l'épisode 2 de cette saison 2. Nous vous rappelons que nous sommes une websérie amateur, donc pour tous les défauts de production, nous en sommes désolés. Nous avons une boutique où acheter des t-shirts ou même des mugs pour soutenir le projet, et même un Tipeee. Nous discutons souvent sur notre Discord et mettons de façon régulière du contenu sur notre Instagram et Twitch pour montrer les dessous de la production. Merci de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains épisodes. Restez connectés !